Salut tout le monde, de retour dans Zombie Army numéro 4 pour un énième DLC. On est au cœur de la saison 3, c'est Asile d'abandon ou l'asile abandonné. Tout de suite, on se relance dans l'enfer. Peut-être changer de personnage. On l'avait pris, Karl. Victor, il a un peu zombisé le pauvre. Joshua, capitaine hein, du bateau. On va prendre Joshua. Armement. On reste comme ça. In the wreckage of the Rachegeist facility, we recovered information that reveals the location of Baron Umbra, the mastermind behind the occult scheme. He is in San Abaddon Asylum, hidden in a cultist-occupied town, protected by an occult shield. This is somewhere the Resistance has never visited before. We thought the shield impenetrable. However, we have located a civilian survivor, the Angel, who will lead you through the catacombs into the village. Once inside, you must find a way into the asylum, hunt down the Baron, and put an end to his evil. Courageux matelot. This is the way to the village. Once you leave the safe room, you're on your own. I thought you said you would guide us all the way to San Abaddon itself. I do not know how you will unlock the asylum. It is sealed by magic. When there were more of us here, we tried to destroy the rituals and failed. I'm the only one left. Notre petit pack de soins, bon. On est parti pour l'enfer, hein. Ok, alors il y aurait deux zones et il y a pas mal de choses à choper. Hein. Joli, hein. Le jeu est sympa, il nous file de la vie, mais dès le début. Ok. Pas malin. Past experience taught me I can't always rely on the resistance. I'm safer in the tunnels. Mes documents, alors sur 9, mais ici, il y en a 6. Mona Lisa, elle a été remis un goût qui n'est pas du jour. Ah. Il est déjà mort.
de mal à m'y retrouver pour l'instant. Ça a l'air très grand. If you'd rather go it alone, I can respect that. Is there anything we can bring you to say thanks? I've got the supplies to last me 10 years down here. Do you need anything? Grand ce coffre. Là, là, là. C'est quoi Putain. Ah ouais, non mais c'est un sniper. Hein. J'entends des bruits derrière moi, ça me... J'arrive pas à voir la tête. Habitué à un terrible au snipe. Sniper encore. Alors ils ont parlé d'explosifs. They're coming from the roof. There's what I call coming. Un drôle de barba lui. Médic. Oh, j'ai pas compris. Ah ouais, quand même. Si relevé, le médic avait disparu. Il est où le snipe là? Il en reste un, au moins.
Mon dieu, ce qu'ils ont gaspillé. Car là, il est caché. Il va réapparaître pour nous tirer dans le dos. Espace, c'est pas pour sauter, Fred. Got a blast charge. That should do it. Inutile de se dire que ça va être. La merdasse quand. Alors attends, il doit y avoir un endroit pour la positionner la charge. Est-ce qu'il me laisse pas faire mon job? Sort de là. Comme si t'es pas lent. D'accord, donc en fait en tapant les deux espèces de poignards, ça a libéré l'accès, j'ai l'impression de prendre des balles parce que j'aime bien le fusil de chasse quand même. J'aurais voulu, il y a encore des snipers qui se pointent. Ça c'est vraiment l'enfer. Là, une petite marron. Blast charge set. Ok, maintenant faut se mettre au bout du câble. Balaboum. Très mission impossible.
J'aime bien cette petite musique, hein. GG sur ce coup là Fred. Je suis pour tout le monde, on a débloqué un trophée. Faut dire que là il y a du monde qui est mort en une fois. Hein. J'ai un peu peur d'activer ce truc. Hein. Ouais, sniper, sérieux. Ils sont casse-pieds. Franchement, ils niquent souvent le plaisir du jeu. Hein, parce que, ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont un peu fumés, je trouve. Hein. Il y en a rarement qu'un en plus. Je me suis bourré de touches. Aïe. Pour. Voilà, on a peine le temps de les loquer que. Ça, c'est joli ça. Boum. On a tapé le premier. Ça a nettoyé tout le monde. Ah, il va pas être content. Hein. I feel my binds loosen. It was only a matter of time. It was inevitable. My works, my sigils. You trifle with things you do not understand. On va refaire le plein. Alors, maintenant qu'on a détruit le truc du rituel, on peut se balader un petit peu. On va avoir découvert un premier objet dans la zone. Ah voilà, c'est un document. C'est notre deuxième. Hein. Ensuite. Toujours point de repère, truc du rituel. Le pire c'est les mains. Hein. Pire le fait qu'ils en aient mis 3. Ça me rassure pas là. Comment on... Ah, j'ai vu un. Voilà. C'est tout simple. Première BD. Je parlais de main sur mon petit tour. Première main. Et le centre-ville est par là. Bien. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai chopé.
On va aller là-bas. Ça n'est pas du tout. C'est un document, ça. Ok. Également une action héroïque. Si survie, tu meurs pas, pépère. Ouais, c'est rien, la deux, putain. Non, mais. Merde, je l'avais pas vu, putain. Je faisais écran. Moi-même. Ah. Comics. Corbac, mais c'est pas une Manos. Diriger vers notre objectif. Petit plaisir. La charge. Les balles. Ah, les balles. Grenadier. En train de me dire pourquoi il y a la musique comme petit plaisir challenge. Ah, les suicides là, je les aime pas. Reste d'où tu viens, toi. Ah, d'accord, ok. Sympa, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure quand il y avait... Ah, tiens. Duck. Quand il y avait le coffre, s'il y avait un truc comme ça, pas très loin.
Donc là, lui... Encore un truc qui le... Le protège. On est passé à côté de ta mais je lui tournais le dos. Ah là là, les suicides, man, encore. Ouais, je vais leur tirer dans les jambes, ce sera plus simple parce que j'ai du mal à revisser la tête. Voilà. Tendance à remuer au dernier moment et. Je joue pas assez souvent au jeu, puis c'est compliqué hein, dans les jeux de zombies. C'est toujours des mouvements de dernière minute. En gros, je suis pas bon quoi. J'essaye de le masquer comme je peux. Allez, on va mettre notre petite charge. On va faire péter tout ça. J'ai bien envie de jouer de la tourelle, moi. C'est... Ah, mais elle est fixe. Hein. Alors, ça apparaît où? Que d'angle, mais si déjà j'arrive à en péter quelques-uns, oups, je pense qu'il faut que je me tire d'ici. Ah merde, c'est moi qui devais tirer dedans, à mon avis c'est le suicide qui a fini par son explosion à... On va recharger en balle. Comment il a fait pour grimper là lui? Oh, grenade. Waouh, quelle horreur ces types. Bientôt fini. Flash boom. Pas la boom. C'est le deuxième. On va pas être content. Tourner, hein, le... I don't think he can hear us. Perhaps we will find out soon. His voice cut off with a burst of occult energy. He didn't lose connection. It's more like he was broken. Nice. A blast charge. C'est un oiseau. Some kind of bloody power into it and process it somehow. You're the
Il me tire dessus là. D'accord, c'est lui. Je vais faire passer l'envie de... On me tirer dessus. Ah, médecin. J'aurais dû faire péter le truc d'abord. Le rassurer. Alors, nouvelle petite zone. Ouvrons les yeux et les bons. Tiens, ça on connaît ce type de machine. Tromblon. Ok, ça c'est le... le camp de base avec la charge. On ferme... ouais. Oh, quoi que, je peux. On va le garder là, et puis on va déjà faire une petite visite là. C'est pas ce que je voulais. Non, ça c'est le fait que ça bouge. Je pense que c'est une main. Nice. Vilaine, hein. J'ai d'abord vu le corbeau et. C'est Prémanos. Non, pistolet de détresse, j'en veux pas. Le 5. J'ai pas eu de BD. Ça, ça va faire mal, ça. Lâcher. C'est bien, j'ai un fusil à pompe, j'ai... une mitrailleuse. Ton oiseau. Bon. Faut monter là-haut. Ah d'accord, donc là, la Gatling, je peux faire. Ce qui est embêtant à chaque fois, c'est le, la vitesse. Cette arme. C'est parti. L'objectif c'est de les empêcher de monter. Forcément, il y a toujours des récalcitrants qui veulent absolument passer. Come on,
Ah, tiens, il me donnera de la vie, mais... Putain. Personne monte de ce côté-là, hein. Pas les cons, hein. J'aime pas ceux qui se pressent comme ça. C'est quoi? Ça vient d'où ça? Je surveille mon nombre de balles. Il y a une boucherie dans cet escalier, hein. Ah, sniper. Waouh. Détends. Détends parce que j'étais en train de me faire des bisous. Mon consenti. J'aurais pu faire ça, mais j'avais pas fait gaffe, j'ai pas levé les yeux. Il en reste deux, hein. Je suis même pas trop rapproché pour l'instant de cette porte. Ouais. Faire passer l'envie de balancer des grenades, lui. C'était la troisième et dernière manche, je crois, de la zone. C'est un doc et une BD. Alors, qu'est-ce qui me prépare là?
Oula, 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 je suis vachement ralenti dans... Toujours cette manie de faire péter les trucs juste à côté de moi. Ah, c'est le seul à avoir un fusil de chasse. Il y a un mec qui les ressuscite là. Je sais pas où il est mais... Ça cesse hein. Il est où ça? Putain. Enfin, ne se sentir pas bon à la situation. Où est-ce qu'il est le type qui les ressuscite là? Il est excentré, je pense. Est-ce qu'en contournant comme ça, je vais réussir à lui tomber dessus. Hein. Marrant ça. Oh là, oh là. Il me fout la bombinette. Ah, je suis surpris. Ah, là, la zone importante, les balles. J'ai pas vu de sulfateuse. Et des fois c'est incompréhensible, hein, les trucs qui pètent à côté de nous comme ça. On va se faire plaisir, on va tout faire péter. Ok. Faut aller là-haut. Dites-moi qu'il y a une péteuse. En tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de doc. Hein. J'ai pas été partout, mais... Tournicotant comme ça. Let's go. Oh putain, ça va faire H-boom, non? M'atteindre par là. Oups, sniper.
J'ai l'impression que je suis protégé là du sniper. Je peux protéger de tout. Hein. Merde. Je l'attendais pendant 3 heures, je tourne la tête et non, il n'y a pas. Ça, c'était joli, ça. Bon, puis où il est le sniper? Puis j'ai pas trop envie de me désaxer, d'avancer pour me faire bouffer par les mecs devant et... Oula. Et sniper par le... Par le mec qui m'attend sur les maisons à côté. Ah, ah, ah. Quel enchaînement. Oula. J'ai eu peur que ce soit un gros et que ça se fasse tous d'ailleurs. Alors, c'est pas que je me plains, mais il y en a moins que d'habitude. D'habitude, il y en a tout le temps à chaque vague. Ah bah. Je crois qu'il y en a un qui se pointait justement. Mort de rien. Ah, d'ailleurs, il a laissé sa pétuse ici. On va retourner. I ask myself, who is this interloper that takes power from the banner? Or perhaps these interlopers? Mission pleine, ok. Could it be the thieves who stole the relic? Alors, le petit dernier. Il se cache par là. Putain, la zone aurait été vaste. Hein. Je suis incapable de la... Franchement, je me suis laissé guider par les... Par les espèces d'aurores boréales là, et puis fouiller tout autour. Alors. La vie. Ça, ah ok, c'est juste à côté de notre point de. Toujours un problème de caméra avec notre personnage qui obstrue sur la gauche. Nice. A blast charge. Ça c'est le coin des mines. Des charges en tout cas. That's good. We got it. Un dog juste à côté. Ils sont là. On va éviter de tout faire péter tout de suite. Alors on est venu de là, on a visité ça. Ça c'est une petite maison.
Ça va surtout fermer. Un truc actionné là-dedans. La BD. C'est la dernière. Partie des bestioles que je déteste, elle. Taper là-dedans, ça aurait pu tous les fumer. Me tire dessus. Lui on reviendra pas. Parti pour le feu d'artifice. Detonator right here. Here goes nothing. They're coming out of the ground. Take cover. Yeah. Venez les enfants. Pas dû la lâcher. C'est mal. Hein. Il y a eu du monde là qui est tombé. Oula, ces petits salopards. Attention. Oh, on en fait une belle série là. Suzanne, ouvre-toi. Bien. Pour venir maintenant. Stop de mine. Puis c'est à l'étage. Oh putain. Chaque fois ils nous ont collé un. On sait pas grave les mines. On va se débrouiller sans. Je les aime pas ces bestioles. Tiens la forme hein, notre ami.
Oups. Comité d'accueil. Ça va. Libérez-moi. J'ai pu terminer. On remplit nos objectifs. Ça. Rendez-vous à l'asile. Excentré. D'accord, ça c'est l'asile. Oula. Oh, j'aime pas ça. On rappelle Resident Evil avec la maison de poupée. Grand moment. Très grand moment. Okay. On peut pas rejoindre le... Et là... Monastery, then asylum that always secretly served my disciples. It was my sanctuary, then cruelly distorted into my prison by these turncoats. As far as the perimeter of the asylum. Now, my friends, allow me to submit a humble proposal. You wish to survive the embuscade. Et on est bloqué ici. Joli ça. Oh, il y a un sniper, non. Putain.
pire des situations. Hein. Ils ont la bougeotte avec la lunette, peut-être qu'en tir jugé ça peut le faire. Ah, ils ont l'air de moins se barrer. À vérifier. Hein. Les assauts sont moins longs. Une bonne chose, ils étaient un petit peu longués, je trouve. So, they stand between us as one last impediment. Deal with them, and I will have the opportunity. D'accord. Il n'arrête pas de causer, il avait envie de. Il avait eu de causer ce soir, notre ami. Even if we don't trust the Baron, we want to kill the cultists. Push forward. Bordel. J'espère que je me mets les tapes tous. Oh, c'est immonde. Surtout s'il y a du monde. Je sais pas si ça marche. Hein. Ah ouais, d'accord. Lui, il a le droit. Non mais. Ah, le jeu est super. Le mec il me tape à travers la. Oh putain. Oula, ça pue. Le gars me tape à travers la porte et ma balle, elle par contre, elle l'a pas tué à travers la porte. Extraordinaire, moi des jeux comme ça, j'en demande. C'est l'enfer, hein. Surtout qu'il y a même pas de balle, y a pas de. Truc de soin quand même, hein, ils sont gentils. Ah, des balles. Tac. Oula. T'es tombé, mon pauvre. Bouge pas, je vais te ramasser. On a eu du bol, on est tombé sur le. Le début sur le. Dedans. Non. Je crois que c'était des balles de loin. Oh putain. C'est une espèce de saloperie. Cadeau. Franchement, c'est pété comme bestiole. Tu me vides un chargeur dessus, il tombe pas. Il est complètement allumé. C'est... Franchement, c'est. Je suis même pas content de l'avoir fait parce que je trouve que c'est complètement pété. Après, j'aurais tiré dans la tête, il y en aurait peut-être eu besoin de moins, mais bon. Trop lui laisser de l'attitude à notre ami. Ah ah! BD! Ah, intellectuel lui, il avait les lunettes et la blouse. Oh putain, oh là. Il s'est glissé drôlement vite.
bloquer. Oh. Il me semble que j'en ai déjà vu des types comme lui. Il est aussi adepte du sac à PV, comme j'adore. Attends, on va changer de calibre. Avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, putain. Quand même. Qu'il soit ressuscité sous aucun prétexte. Est-ce que je suis arrivé hein? Sympa le principe de l'asile, je trouve. Oups. Oh, il a une tête de bestiole, lui d'habitude il est pas ça. Il me paraît bien rembourré. Hein. Plaisant ces mecs, ils sont pas butables avec leur protection. Hein. Mis ma balle spéciale. Elle est crevée, ouais. Par contre, faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Dans les jeux, c'est infernal. Maintenant qu'on a son arme, ça va être. Ouais, ils ont définitivement abandonné les. En tout cas, dans ce niveau, les hordes qui durent 3 heures. Par contre, ouais, foutre un million de PV sur un type, c'est. Ça, par contre, faut qu'ils oublient. Hein. Oula! Snipe sont de retour. Le jeu est rad hein, en ralenti. On me la vient un peu parce que pas bien. Pas bien du tout.
Ils nous ont rien caché ici. Par contre... Oh allez, ça suffit hein, les snipers. Pire, il a la bougeotte. C'est juste l'enfer. Non. Back. Get back. You dead bastards. C'est la dernière minus. Ce qui t'est arrivé, demoiselle. Oula. Oh putain, c'est ça. On est dans Silent Hill. Sympa ça, le principe flippant mais sympa. Putain, mais... j'aurais voulu qu'elle revienne à la vie hein. Snails. I'm finally saved. Flippant ton placard, reste pas là, cocotte. D'accord, y a rien d'autre. Continue. Un lock. Le petit dernier. Putain, je crois qu'il m'a vu. C'est bon, il a pas été dans le feu, lui. J'arrive à une vitesse. J'aurais voulu entendu un tir de snipe. Crever hein, ce rythme là. Il est bénil quand il me court après. Ok, bon, si on peut le skipper, franchement, non, attends, il me court, je croyais qu'il, c'est n'importe quoi, hein. Le truc, il arrête de te poursuivre et d'un coup, il te retrouve, c'est difficile. Ok, on reprend nos esprits,
j'ai cru que c'était là. Je sais pas, c'est une BD, ouais, qui me manque. Hein. J'ai cru que c'était la couverture de BD. Oula, oula, il taille. Cours après. Dire c'est un endroit de fou, mais c'est un endroit pour les fous. Passage là, ici c'est quoi, c'est un cul-de-sac ou... Il semblait bien qu'il... Il semblait pas complètement mort lui. Petit dernier, et ben voilà. Vous êtes dessus. Ah, ces foutus snipers qui reviennent. Il y a du monde derrière moi là. Oula. Ouais, tant pis, on run hein, parce que. Si on a tout chopé, on risque plus rien de louper. Battez les geôliers. Ah tiens, je crois que je suis revenu. Bon, je sais pas. Les pièces se ressemblent un peu. Oh putain. Oh là là, oh là là, oh là là, mon dieu. On en tue un maximum. Je retrouve de la vie. Il semblait qu'il y en avait, mais... Je suis pas au même endroit que tout à l'heure. Faut que je reprenne. Elle est là. Voilà, c'est ma maigre assurance vie. Je sais pas trop ce que ça donne le lance-flamme, je l'ai pas revu. Ça fait mal, hein. Il est où, Mister Flamouze, là? Qu'est-ce que j'ai vu ça, putain. Ok, il est là. J'ai entendu mes kits là, il est tombé ou il est... Oh putain! Oh là là, c'est infâme ça. Putain, ça m'énerve. Sac à PV. Il est passé où? Oh, j'ai peur. S'il me contourne, j'ai peur. Faut me cacher là-dedans. Je vais me faire.
Mon dieu. Ah, je pense que... Non, sérieux, il arrive à me brûler même en crevant. Mais... C'est pété. J'ai l'impression qu'il était mort, j'ai pas eu l'impression que... C'est en tirant dans sa bonbonne de gaz qu'il a explosé, mais visiblement vu... Non, c'est des armes, c'est pas des medic kits. Peu de ralenti, hein. Non, non, non. Ah, James, ça va, j'ai eu peur, traumatisé de... Que ce soit un gros, gros, gros. Voilà. T'inquiète pas là. Il faut bien avoir un truc avec de la vie, hein. L'avantage d'être seul. Step of this rite will be familiar to you. My acolytes were trained to form a vacuum of sorts in the occult field. Locate their skulls found in this chamber. Je pensais que je me serais fait attaquer pendant que je faisais ça. On passe en plein là. Sacrifier les morts vivants. On appréciera que pendant la cinématique, je me suis fait attaquer. Là, leurs petites âmes, elles vont bien au venant. Un autre avec son... Fonceneuse, hein. Tout le monde. Yes.
forcément. J'aurais la tronçonneuse, ça irait plus vite. Je vais la lui piquer à l'autre. La vie. Oups. We were the slaves, and we were burned. Oula. Their blood does not run in our veins. It drips. C'est quoi là qui me... tronçonneuse qui vient me dire bonjour. Putain. Gentiment mon affaire. C'est vrai qu'il y a le combo qui grimpe en même temps. Et alors, je crois que je me suis fait toucher dans le dos là. Ça va vite là, quand ils sont tous alignés comme ça. Attention. Hein. Ok. Des mines au milieu, mais... Je sais pas pourquoi j'ai un peu peur d'y aller. Alors attends, peut-être... Voilà. Oula. Ils sont que j'ai pris un mauvais coup avec le... Ah oui d'accord. Lui... Lui va pas mourir avec la fin du truc, faut vraiment le tuer. Peut-être m'aider ça. Je suis petit. J'en ai rien à foutre, hein. Peut-être lui faire tomber le chandelier dessus, non? Que le timing était pourri. Je l'ai dans Hitman, mais là, là j'ai été mauvais, comme on dit. Ah, j'ai perdu le chapeau. Okay.
secoue un peu quand même. Hein. Nice. Upon us. One final step remains. Tear out my ça, je peux le faire. En tout cas, ils introduisent très bien un futur épisode. Bon, assez sympa globalement ce nouvel opus. Un peu perdu au début parce qu'on s'est retrouvé encore dans une espèce de monde ouvert, un peu comme la mission précédente. Globalement, un bon équilibrage des vagues à part la ville. Bon, ils ont voulu insister hein, sur l'espèce de mini-boss avec la tête d'animal. Dessus, mais ils auraient pu avoir un petit peu moins de PV, ça aurait été très bien équilibré. Et ben voilà, ce nouvel épisode de Zombie Army Dead War numéro 4 est terminé, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, à très vite pour de nouvelles aventures.